Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Fossoyeur08. Je vais tester le jeu Infamous de Second Son sur PS5. Hein, je suis. Et là, c'est le début, le trailer. C'est un jeu que je connais pas du tout. C'est un jeu de bioterrorisme, apparemment. Là, je vous laisse le trailer. Pendant cela, vous pouvez mettre le pouce bleu, partager et abonnez-vous avec la cloche. Ça m'aiderait beaucoup, ça voudrait m'envoyer pour avoir plein de tests de jeu. Un camion militaire, en train de transporter je sais pas quoi, tout qui. Pencher la manette sans fil sur le côté. Secouer la bombe de peinture. Ouais. Et L2, tagué. Tagué quoi? Ah, il est supposé. Ah, j'ai pas vu, j'ai un côté à droite. Tagué, R2. Ah, je suis au tout coin. S'il arrête un crime, tu peux toujours... Merde. Ok, mon petit Delsin, réfléchis. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, la on teuf est à la grande ce personnage-là ou pas? Je vais aller sourire au-dessus des petits fours, discuter, ce sera mon alibi. Eh, mais je suis un vrai génie du crime. C'est l'intro du jeu. Bon. Ouais, ça va le faire. Génial. Vraiment génial. Qui est là? Qui est là? C'est juste moi, Betty. Sérieusement, tu veux bien poser cette agrafeuse, sans déconner? Qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi n'es-tu pas au rassemblement? Ouais, je me sentais pas trop d'humeur à Comiche ce soir. Mais toi, t'es superbe. Ça te va trop bien. Vraiment. Qu'est-ce que tu faisais sur le toit? Rien. Qu'est-ce qu'il faisait sur le toit? Tu faisais des bêtises? Ah bon? Allez, je sais que t'es là-dedans. Alors, tu ferais mieux de sortir, sinon j'appelle Betty et elle sera là dans 5 minutes avec les clés. Tu faisais des bêtises. Non mais, sérieux, qu'est-ce que tu vas faire? Je n'ai pas le choix. C'est un policier. Je vais revenir ici dans 5 minutes. Et si tu es toujours là... Merci, Betty. C'est la dernière, la dernière fois. Je retourne dans mon bureau. Apparemment, je vais recevoir un coup de fil. Ouais. C'est pas possible qu'il y ait rien de mieux à faire. Trouver les sites de secours de la conserverie. Ah, on peut sauter. Ah bah, c'est là les sites de secours. Hein. Va falloir trouver une sortie. Allez. Je t'aime, liberté. Maintenant, c'est du gâteau. Allez à la grande maison et montez un alibi. Allez à la grande maison et montez un alibi. Ouais, moins sûr de descendre du toit de la conserverie. Oh.
longer la plage jusqu'à la grande maison. Ah, ça va. Ça passe. Ah, dégage ! Longer la plage, alors. On peut pas se battre? Non, pas de coup de poing, rien. Je pense que c'est l'autre côté. Suivre les peintures blanches. Ah putain de mouette! Ouais. Carré pour descendre. Ah! C'est froid! Très froid! Ah bah alors par là. Par contre, commande son musique. Voilà. Ça ira mieux. On est presque. La grande maison est là-bas. On va passer par là. Si y a un tronc d'arbre, c'est pas pour rien. Bon, ça va être à droite. Ah bah, jamais joué à ce jeu-là, mais je saute par go. Bon, par là alors. Voilà. Il faut aller là-bas maintenant. Je crois que j'ai pris le mauvais côté. Voilà. Allez, monte. Et monte. L'autre côté. Ah, ah, casse-toi. C'est pas passé loin. On fait du Lara Croft, hein. Regarde pas en bas, regarde pas en bas. Qu'est-ce qu'il y a en bas? Il y a de l'eau en bas. Un bon plan, ça marche toujours. Ouvrir la porte, ouais, je veux bien. Ah! Ok, le pad. Hey, salut, ça fait une éternité que je te cherche. On ferait peut-être mieux de rentrer. Est-ce que tu peux seulement imaginer à quel point j'ai honte de devoir arrêter mon propre frère encore et encore et encore? Et bah peut-être que tu devrais éviter d'arrêter ton frère encore, encore et non, encore. Non mais tu trouves ça drôle? Non, pas du tout. C'est vraiment ça que tu veux faire de ta vie, hein? Tu crois que nos parents seraient fiers? Avec des actes de vandalisme? Écoute vieux, il y a un tas de trucs flippants dans ce monde. Et pendant que moi j'essaie juste d'exploiter mon talent et de faire de mon tu don essaies un truc... d'exploiter ton talent, bordel, mais de quoi mais tu fais tout le temps ça? Non, explique-moi. Pourquoi tu me laisses allez, pas vas-y, dis-moi de quelle horrible si tu m'écoutais deux secondes, tu vas tout expliquer. Oh là 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 là. Reggie, quoi? Regarde. Ah, et prisonnier qui s'évade, j'ai l'impression. Je m'occupe de ces deux-là. Tu te mets à l'abri, ce truc va exploser. Ne pas s'approcher du truc qui explose. Pigé. Fouiller le lieu de l'accident à la recherche de survivants. Qu'est-ce que l'armée... Vache, mec.
Ah, merci. J'ai cru que j'allais y rester. Hé, hey, ça va? Merde, un flic. Hey, lâchez-le! Allez, lâchez-le. Et gardez les mains bien en vue. Je veux faire de mal à personne! Je veux juste foutre le camp avant qu'elle réplique! Je vous ai dit de le lâcher! Sinon, je vais tirer! Reg? Oh merde, non! J'ai dit que je voulais faire de mal à personne! Oh. Qu'est-ce qui se passe? Il a attrapé la main de l'autre quand il fait ses pouvoirs. Un tatouage maintenant sur le bras. Reg? Qu'est-ce qui se passe? Oh là, qu'est-ce qui se passe? Il faut que je trouve Reggie. Bon ben. Hein? Comment j'ai pu faire ça? C'est quoi ce délire? Mais qu'est-ce qui m'arrive? C'est pas vrai! Comment je fais ça? Stop, stop, stop! Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe, bordel? J'y crois pas. J'y crois pas. Il faut que ça s'arrête! Reg! Reg, faut vraiment que tu m'aides là! Ouais. Non, je vais devoir passer par là. Appuyez sur rond pour exécuter une charge comme une chaîne à travers les arbres en bâtir. Qu'est-ce qui se passe? Reggie! D'accord. Reg! Non! Reggie! Reg! Tu vas bien? Delphine, c'était quoi ça? Il faut te sortir de là-dessous. Mais tu viens de... Il faut que je te sorte de là! Ouais. Ouais, ok. C'est bon. Aide-moi! Aide-moi à pousser! Aide-moi à pousser. Déplacer la voiture. Maintenez la touche pavée numérique en français des deux coups. T'es à toi aussi. Non, non, non! Je peux pas m'arrêter, Reg. Je peux pas. Reg, ça s'arrête va, ça pas va. Tout va bien. Ça va aller. Allez, respire. Oh là là. Respire, ça va aller. Tout va bien. Je suis l'un d'entre eux, Reg. Je suis l'un d'entre eux. Non, non. Non, tu es mon frère. Tu entends? Tu es mon frère. Ok. Ce qui t'arrive, ça va passer. Je te le promets, ça va aller. Hein, tu me fais confiance. L'autre a transmis son pouvoir. Tu me fais confiance. Ok. Ok, il faut que se déplacer. C'était un bioterroriste, on doit l'arrêter avant qu'il s'en prenne au reste de la tribu. D'accord? D'accord. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi tout de suite. Ouais. D'accord? Ouais. Allez. Besoin de toi. Ça va? Tout de suite. Ouais, on y va. Accompagner Reggie à la conserverie. Mais jure-moi de plus faire tes tours de passe-passe, ok? J'aurais jamais pu sauver tes petites fesses si j'avais pas eu le... Mais promets-moi de ne plus jamais le faire. D'accord. C'est bon. Je ne veux pas que tu penses que ce qui t'arrive est une bonne chose. Ok? Parce que c'est pas le cas. Shérif! On peut pas entrer! Le bouton est pété! Je crois que Betty y est encore. Mais merde! Le loquet a fondu. C'est fermé. Comment ils ont pu passer? Je crois qu'il a couru au travers. Tu peux faire ça? Y a qu'un moyen de le savoir. Passer à travers la porte de la conserverie avec une charge fumigène. Delphine est devenu un bioterroriste. Mais non, il est pas. Et merde. Dès que la tribu sera au courant pour toi, ils vont paniquer. Ouais, vas-y. Disperse la foule. Ok, je vais revenir avec de l'aide. Va voir si Betty est coincée avec le bioterroriste. Et fais attention. Personne ne sait de quoi ces tarés sont capables. Ouais. Oh, c'est taré. Trouver un accès à la conserverie. Ah, oh, je suis pas fait exprès. Ah, les conduits. C'est bon à savoir.
Ouais. Ah ouais, voilà. Betty. Oh merde. Bah ouais, c'est vrai, je passe à travers. Ah oui, là, un conduit là. Cette barrière doit être au-dessus de la chaîne de conditionnement. Waouh, ça doit faire mal. Betty, où t'es planqué, Betty? On passe pas à travailler. Non, pas là. Il y a rien du tout. En haut, c'est bien. J'arrive, Betty! Ah, le feu empêche de passer. Un peu sur carré pour faire. Ça va le faire. Je veux pas gâcher la surprise. J'y suis presque, Betty! Il faut que vous sortiez, madame. Ne vous approchez pas de moi. J'essaie juste de vous non, aider, ne madame. Ne vous approchez pas. Stop! Delzim! Je voulais juste faire diversion. Je savais pas qu'il y avait quelqu'un ici. C'est toi qui m'as fait ça! T'es un porteur? Betty, je t'expliquerai plus tard, mais tu dois sortir d'ici maintenant. Moi, je me casse. Pas avant de m'avoir débarrassé de ça! C'est un porteur, hein, compris. J'ai passé le plus clair de mon temps derrière les barreaux. C'est facile de se faire la belle. Il faut juste tomber sur une occasion. Ouais. Quand j'ai eu mes pouvoirs, merde, plus rien pouvait m'arrêter. Jusqu'à ce que le DUP finisse par me choper. Et ouais, ils ont une prison spéciale pour enfermer les gens comme moi. Ils ont réussi à nous attacher pour qu'on puisse pas utiliser nos pouvoirs. Ça veut dire aussi qu'ils devaient nous nourrir, nous laver et même nous torcher le cul. Torcher le cul. J'appelle pas ça une vie, moi. Non, pas une vie. Il y avait cette foutue rouquine là-bas qui... Elle aimait jouer avec des aiguilles et des scalpels. Elle appelait ce qu'elle me faisait des tests. Mais avec le temps, on finit par apprendre des trucs. Il suffit d'être patient. Tôt ou tard, il y en a un qui foire. Ça arrive toujours.
On finit par voir un truc ou entendre un truc. On apprend quelque chose de confidentiel. Alors quand cette poufiasse nous a collés tous les trois dans ce fourgon, j'ai vu ce qui se profilait. Une belle occasion. Ah. Fouiné à l'intérieur de ma tête. C'était moi, je croyais que c'était toi. Tu l'as vu, hein? La prison du DUP. Si elle te chope, c'est là-bas que t'atterriras. Hé, attends, attends! Ah, bon, je vais vous laisser là. C'était le trailer du jeu Infamous Second Son, Second Fils. Sur PS5. Ah ben, si vous avez aimé et que vous voulez le voir en live, dites-le moi dans les commentaires. Je ferai des lives dessus. Hein, je connais pas du tout le jeu pour l'instant. À plus tard, tout le monde. Lâche-moi!